Hey, salut tout le monde, c'est Hunter Z, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un nouveau Shiny. On est le lendemain de la capture d'Axolotl, et aujourd'hui, j'ai reseté les fossiles. Bon, j'avais que 6 fossiles en ma possession, un de chaque. Donc j'en ai éliminé un, c'était Ptera parce que je l'ai déjà. Donc je vais vous montrer lesquels j'ai reseté. Pokémon. Voilà, donc j'ai reseté Anorith, Lilia, Dinoclier, Kranidos et Carapagos. Donc mon préféré dans les 5 était Carapagos. Mais bon, les autres ne m'auraient pas déplu puisque je ne les avais pas. Donc voilà. Donc on va regarder tout de suite quel shiny j'ai réussi à avoir. Alors. Donc ce n'est pas Anorith. Ce n'est pas Lilia non plus. Ce n'est pas Dinoclier. Ce n'est pas Kranidos, c'est Carapagos. Encore un mâle, donc je suis vraiment abonné au mâle, moi c'est un truc de malade. J'ai que des mâles à chaque fois que j'ai un shiny. Donc voilà, il est super beau. Quand je l'ai vu, je fais what the fuck quoi. Donc capacité Solid Rock, réduit les dégâts des capacités super efficaces subies, c'est pas mal. Et apparemment, il n'a pas une bonne nature. On va regarder tout de suite, il a gentil. Oui, c'est pas bien ça. Quand on voit ses stats, ça baisse la défense, il a 45, donc à mon avis il aurait fallu avoir malin. Ouais, malin, je pense que c'est la meilleure. Donc voilà, donc on va le mettre en première position et on va aller faire péter les étoiles dans l'herbe. C'est parti. Hop. Allez. Alors en même temps, je vais vous parler du concept qui va arriver sur ma chaîne. Ça va être la toute première série. Mais avant, on va écouter les étoiles. Un petit spawn tout à fait normal. Et le Carapagos. Super beau. Bon, je vais pas mettre KO le spawn. Continuer à faire quelques rencontres, on va baisser le son et je vais vous parler de la première série qui va arriver sur ma chaîne. Alors elle va s'appeler Une route, un shiny. En fait, ça va consister à sur ma version X, en fait, je vais démarrer dès la première route, celle juste après où l'on obtient les starters. Et route par route, je vais rester sur une route et je ne bouge pas tant que j'ai pas eu un shiny. Donc voilà, donc je vais faire toutes les routes comme ça. Et donc à la fin, quand j'aurai tout fini, les shiny je ne les garderai pas. J'en ferai don aux abonnés. Je ferai un giveaway, une sorte de distribution. Et tout ça sera pour vous, quoi. Donc voilà. Sinon sur le côté en parallèle, je continue ma chasse sur Heart Gold. J'en suis à 3350 resets. C'est assez long. Ce sera un autre reset. Bon, par contre, il va me laisser fuir celui-là. Allez! Ce sera un autre reset. J'en serai à facile 6000 ou 7000. Bon, il va me le mettre KO. Donc, on va enlever. On va mettre Eximus. Donc, voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, ça aurait été un autre reset. Je serais déjà à 6000 ou 7000 rencontres. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec le Pokémon. Et donc ça met un peu de temps à resetter quoi. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo. On se retrouve, je l'espère, la prochaine fois pour le reset sur Heart Gold. Et pour la série qui va commencer. Je vous souhaite à tous un bon jeu. Une bonne chasse au Shiny Hunter. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert. Et abonnez-vous si ça vous plaît. Bye!